Ma Mission TV, le miroir du monde. Parce que vous devez savoir que le Parlement ici est un Parlement manco illégitime. Messieurs les journalistes, regardez ndenge tozonga ta même na histoire, c'est une histoire récente. Nde makambo sa maki na kata cour constitutionnelle. Ba valider ba député, ba invalider ba député, ba revalider ba député, ba réinvalider bango, ba revalider bango avec tel parlement. Vous voulez faire confiance na parlement wana? Monsieur Kabuya, Kabuya, vous avez dit ici. Pourquoi tous les gens qui ont en face, mais tous les gens qui ont compris les Kambouana? Kabuya vous avait dit, sur les zones, il y a top Congo, il y a confrère Nabino, que la majorité, il y a des députés, il y a des parlements, ce sont des députés nommés. Mais vous voulez maintenant quelque chose? Oyo, il y a souveraineté, il y a des Congolais. Il y a des Mboka, il y a intérêt commun. Tout ce qui est crédibilisé, le parlement, Oyo, Zali, illégitime, inutile. Élection en 2023 et Kozala la mouka Kozana kat élection wana. Mais biso tolingi la dépolitisation ya seni wana, il faut la dépolitiser. Wana za kitu question ya débatté. Eza question te ke no eto mitranjige wana. On va faire des réformes. Il y a seni wana réforme wana ekosalima bino mana la muka makanisi na bino ezali boni pambate bozali ko boya po ndeko kadima parce que ezali kasaye to po ezali kimbangiste ndeko biso to boya ndeko kadima ndenge nini est-ce que biso to yebiye biso to yebiye te omoni siko de bango ya ba individu yango kutuni motuna po kadima na jamais été président ya qui que ce soit. Jamais président ya seni. Bon, biso to bundise nande. Biso to ali ko bundisa système o ya moyibi o balingi ba poto encore davantage souveraineté ya peuple. Batia maintenant mutu moko wana zela nanu. Tikana silisa. Tikana silisa. O silisi na simotu ni mutuna. Très bien. To ko bundisa système wana ya ko confisquer souveraineté ya peuple. Que la loi organique faisant fonctionnement et organisation ya CENI, cette loi n'est pas dépolitisée. Bango moko ba yibisa kibiso. Peza constant ya ba Congolais banso que loi les a dépolitisées. Mais place biso to okuluba. Mais boni boni bango ba bi que loi les ali mabe. Boni boni bakayi susko sangana pour que ba désigné candidat moko na seni wana. Tu ne vois pas que c'est contradictoire? Toko kende toko koma mukanda to kende kutikela yango singi député na singi toko kende ndako ya singi to kende kutikela ye mukanda. Quelle est la nature de l'infraction là-dessus? Mais par contre, secrétaire général ya IDPS Kabund et Kabuya qui se lève pour dire que Batoyo va combattre le pouvoir Nabiso, va continuer même va combattre ya IDPS ba Zouaminduki. Entre les deux paroles, parole nini za menaçante. Parole nini ezali parole ya koexciter batona haine. Koexciter batona violence. Parole nini. Eyé, du nouveau à Kinshasa, le complexe hôtelier Tremplin Royal sous Kanamasulo. Vous qui désirez passer des nuits inoubliables, l'hôtel Tremplin Royal vous offre un service de haute qualité, de chambres modernes répondant aux standings internationaux, salons et salles de bain bien équipées. Votre sécurité est assurée, les portes électroniques et même un coffre-fort dans la chambre. Tremplin Royal dispose d'un restaurant VIP, des plats de différents goûts
à un prix hors concurrent. De boissons de toutes marques accompagnées d'une musique douce. Ce n'est pas tout. Pour vos déplacements, Tremplin Royal met à votre disposition une voiture pour tous vos déplacements et un groupe électrogène industriel pour faire face à la coupure d'électricité. Pour vos cérémonies de mariage, de collations, spectacles et autres événements, Tremplin Royal met à votre disposition une salle de fête de 300 places avec un décor de couleurs selon votre choix. Nous sommes situés au numéro 23 de l'avenue Aérodrome dans la commune de Barumbu. Référence, stade municipal de Barumbu. Pour tout contact, appelez-nous au 081 570 78 00 09 98 55 22 96. Et Salimananouté, le complexe hôtelier Tremplin Royal, le confort et les nôtres. Sous Kanama Solo, chez Tremplin Royal, Kano Kakae. Bande kobalandi ya ma mission télévision totondi bino matondi pamba te bozali ebele na mukili mubimba bozali ko pesa biso toujours confiance et surtout merci pour na fidélité bozali ko pesa équipe professionnelle ya ma mission télévision très cher internaute c'est na mboka na biso tozali na ba actualité ebele oyo tokomeka ko tanga te pamba te ezali vraiment ebele ya ebele kasi na ebonga nazali nga moko te nazali na mwana mboka Michel Mangala wazali communicateur na plateforme amune na mboka na biso na kombo ya Lamuka oyo ezali géré na deux personnalités minene na kombo ya ndeko Fayulu pe ndeko Mozitu très cher internaute vous allez toujours brancher na yeto comme ko solo ma union c'est celle ko na mboka na biso mbote mwana mboka mshiwa mbote mopanzi sango munene ya mboka na biso voilà et sengo ya koyamba yo na bonga na yo surtout que tu es na résidence na yo bonne santé santé za malamu kaka ndé santé ya mboka ndé zo ezali mabi makasi oyo ezlingi komema bato lisusu na liwa makila ya bato etanga lisusu pe bato bakangama eyo nde eloko oyo biso toza ko déplorer parce que monsieur Chilombo azui voix oyo ya monsieur Kabila ya makila kotanga. Et face à ça, les Congolais peuvent relâcher et bangater. Les Congolais sont prêts, même jusqu'à un sacrifice suprême, pour que les Congolais soient sauvés. Voilà, on tourne à l'ibosso et ça par rapport à bas propos yo coordinateur moko ya la moka ou te kopé stand de komozito ancien premier ministre ya mboka na biso ndenge a mekai ko reprocher ba communicateur ya la moka tout ba communicateur ni sur opposition et que bo meka ko tenir compte ya motote kasi bo tena mingi mingi compte ya système bino boko leka na télévision boko benga kaka mais c'est Chilombo nyosa ko sala ya mabe nzoka nde mwana mboka mozito alobi soki makama malamu ezali bo meka ape kotanga kasi mutuna na ngai liboso par rapport ya likambo yango okoki ko renumere biso ata maloba makambo mibale to misatu oyo yo en tant que congolais omoni na malamu kote malamu oyo nde ko Chilombo sali na pouvoir oyo na ye de ko journaliste na yebite ce qui yo koki coupé sa biso sur le secteur de la vie aux autant sa vie na katia république sur le plan social sécuritaire économique et j'en passe ce qui moni ata point moko au monsieur Félix Antoine Tshisekedi ya sali au SPL ba congolais ce ko ko bisanga parce que ngai jusqu'à présent na moni yangote Sunganga ite. Peut-être ngai ndina osunga yo. Yo tuna nga motuna, ngai sikona yebisa yo. To yebaki bana kelasi bazalai kotanga liboso zalaki mobola kuzana tuka kotangisa mwana kelasi te lelo grâce ya pouvoir oyo ya ndeko Chilombo. Tomoni bana ba kotanga ya ofele ngai pe mwana na ngai zali na tangu azali na kelasi azali kotanga ya ofele. Etat de droit kozalo lenge moko ndenge yo zali ndenga pe nazali. Etat de droit oyo ezalaki te liboso tomoni yango ezali kofanda bazalaki koyiba mosolo ya leta akozwa mosolo ya leta akotya na poche lokola mbongo ya koko na ye lelo tozali komona IGF ezali kosala mosala kitoko mosala ebele ebele mwana mboka Chilombo asali na 2 ans oyo azwi na pouvoir quand même bokomeka koreconnaître ate quelque
va point aux alliés touchés. Ndego na seki. Otangeli ngai ma mumisa to gratuité. Enseignement. Gratuité de l'enseignement. Otangeli ngai makambo ya droit. Comment état de droit. Otangeli ngai na makambo ke misolo. Ezosongo IGF au sala. Na seki po anini. Motuna na yo eza pour que ba kongole pe baseka. Nalo baboni. Yali boso, quand vous parlez de la gratuité, il y a pas la gratuité de l'enseignement, mais il y a la gratuité de l'enseignant. Okinga madame. Limbo la bakongole. Ils ont parlé de la gratuité de l'enseignement. Pour que cette gratuité soit effective, il faut qu'on mette les enseignants à conditions requises pour que les gens en mesure et encadrer les gens dans la vie. Mais vous imposez les enseignants d'aller enseigner nos enfants. Mais lui-même, l'enseignant, a rémunéré les conditions de vie médiocres. Mais vous insistez, vous imposez, c'est la dictature à l'enseignant d'aller enseigner nos enfants. Vous voulez que enseignant wana zoki ndeko enseigner bana biso, awape sa bana biso enseignement nini. C'est pourquoi bozoyoka na ba école enseignant koko ya avandi naye parce que koko enseigner te na libumunzala. Peut ma même y a qu'au dégager énergie à ce qu'au dégager à Ozango wapi. Donc ne parlez pas de la gratuité de l'enseignement, parlez plutôt de la gratuité de l'enseignant. Même malgré ça, on parle de la gratuité de l'enseignement. Est-ce que vous savez aujourd'hui que nous les parents, bah comme ici ce qu'on voit, bah enseignant on a en charge, n'engagez qui est pas comme Mobutu. Alors, vous ne pouvez pas parler de la gratuité de l'enseignement. C'est la première des choses. Surtout qu'il y a un état des droits. De quel état des droits dont vous êtes en train de faire allusion? Un état des droits monocolore. Où il y a une catégorie qui est en train de faire allusion. Je vais prendre un exemple. Il y a un exemple. Il y a un exemple. Il y a un exemple. Malgré qu'il est de l'ensemble. Nous sommes Batika Bisson à la Mouka, ça ne pose pas un problème. Nous sommes des amis, nous sommes des camarades. Tobanda qui peut échanger, mais la lutte continue. Je parle de Jacky Ndala. Regardez comment on a arrêté Jacky Ndala. Dans un état de droit d'abord, on peut arrêter quelqu'un comme ça? Sans mandat d'amener, ben l'éveiller, ben kenaïe. Mais quelle comment dire, infraction, je peux dire, au Bango, va bah, condamné par Jacky Ndala. Parce que Jacky Ndala avait dit, Tokokoma Mukanda, Tokendokotike Layango, Nsingi, député Nsingi, Tokokenanda Kwa Nsingi, Tokendokotike Laye Mukanda. Quelle est la nature de l'infraction là-dessus? Mais par contre, secrétaire général Yahi Depes, Kabound et Kabuya qui se lèvent pour dire que Batoyo va combattre le pouvoir Nabiso, va continuer même va combattre Yahi Depes, va Zouaminduki. Entre les deux paroles, paroles Ninisa menaçantes. Parole nini ezali parole ya coexciter batona haine quoi coexciter batona violence parole nini. Je te dis ça pour te dire que l'état des droits monocolore, on ne peut pas parler de l'état des droits. Na luzwaka kakabuya wana qui avait menacé l'ancien ministre des affaires des finances
à la Guya pour dire que bako tinda ba combattant ba kinde go visiter yé il a la Guya même a déposé qui plainte pour que ba poursuivre yé Kabuya. Est-ce que Bakenda go poursuivre yé? Alors vous voulez parler de l'état des droits, je peux vous montrer il y a plusieurs faits. Quand la Mouka se lève à Salaba marche naé, vous savez comment la Mouka a été réprimandée jusqu'à ce qu'il y a Kotobula, même Moutouka, il y a président légitimement Eli, Bapinea Moutouka, président légitimement Eli. De quel droit que vous êtes en train de faire allusion? Mais moi, Namboka. Troisième des choses, ici l'ité. Voilà. Vous avez parlé que l'IGF. Mais l'IGF est en train tout simplement de dénoncer qu'il y a tel qui a volé. Mais Batouana Nyonso Bayibi. Combien, s'il vous plaît, Moussolo Boni, ils ont une caisse de l'État. Moussolo Yanani, ils se sont restés seulement dans les dénonciations. C'est comme si ça paraît que Moussolo Yanani va salir Kombo Yabato. Mais oui, moi j'encourage Alingeti, parce qu'il est en train de faire bien son travail, n'est-ce pas? Il est en train de bien faire son travail. Il est en train de dire tel monsieur a détourné, tel monsieur a détourné, tel monsieur a détourné. Mais la suite de ce qui devait prendre dénonciation là, n'est-ce pas? Le gouvernant qui devait maintenant que Tinda Batouana na justice, ou le procureur qui devait maintenant que prendre le dossier wana pour poursuivre ces gens-là. Mais dites-moi, qu'est-ce qui est fait? La vraie question, ils ont cherché à voiler ça. Sénat, que Sénat n'a pas voulu que Balongola humilité n'aille, mais l'ordre revient d'ailleurs, pour ne pas que Balongola humilité n'aille. Mais Balingi va voiler Batou. Vous comprenez? Et Mimi, ma tata n'a pas dossier, oh, il dit que non, ça ne va rien donner. Parce qu'il n'est pour rien dans le dossier à zarinisation. Oh, il n'y a pas de foutre à la zarinisation. Oh, il n'y a pas entre guillemets, il n'y a pas de foutre à la bambongo. Ma tata n'est pas concernée dans cette histoire, malgré qu'il était le premier ministre. Si réellement il y avait l'intérêt à poursuite, on devait poursuivre d'abord, commencer d'abord à poursuivre le ministre qui était chargé de tout ça. Tout ça, c'est pourquoi? C'est pour masquer les gens, distraire les gens. Parce que nous savons que leur objectif est ailleurs. Le but plutôt à atteindre est ailleurs. Mais il faut distraire les gens par rapport à certains dossiers. Tant que Batwazo qui n'a pas de débat, wana, bango ba ole ki sa loi faisant fonctionnement et organisation ya CENI. C'est pourquoi vous voyez aujourd'hui, et comme que papa n'a pas eu de ba envoyer quelqu'un à niveau ya CENI contre la volonté de notre peuple ou le peuple à Lingui Angote. Donc, sur les trois points, mon frère ami, ce n'est que le profane en politique qui ne peut pas comprendre ça. N'est-ce pas? Mais Batoyo, baza outiller en politique. Bah, ibi kemi seti lombo asale lo mon côté. Bon, mais, par rapport, s'il vous plaît, par rapport à ça, dites-nous. Tobete la mutu maboko wapi? Et d'ailleurs, quand nous parlons de Meseti Lombo, nous ne parlons pas de la personne Félix Antoine Tshisekedi, non. Nous parlons des actes qu'il est en train de poser dans la gestion. Là, je reproche directement, s'il indirectement, M. Mozito. Non, non, Mozito, s'il vous plaît. Non. S'il vous plaît, s'il vous plaît. Mais tout ça en déphasage. Na Oyo, le coordonnateur Adolphe Mozito, tu vois le baptême. Et le coordonnateur Adolphe Mozito n'a à l'objet de l'eau, mon côté, c'est contraire à l'eau. Exact. Parce que il a fait un constat. Dans la chaîne, dans la télévision,
mingi bakenda kana ba débat ya ba individu lokola IDPS bango baza focalisé na ko finga ka bato, n'est-ce pas? Très bien. Ya ko lukaka ko inventaka makambu na ba kombo ya bato. Maintenant pour que ba longola bato na essentiel o eza ya gestion na bango. Mais Mozi to interpeller bango malgré qu'il a il s'est adressé na ba communicateur ya Nouvel Élan, adressé nde na bato wana bato ba IDPS wana qui sont des spécialistes en mensonges, des spécialistes en montage. Vous comprenez? C'est pourquoi il est dit que biso na kati la muka tokoki ko ngana ko ko fanda awo awate na banda koluba pona na monsieur Tshilombo na makambo a salité biso to jijaka gestion na ye to jijaka esaleli na ye ba promesse o ya ope sabato a kokisa ya kokisa promesse wana te onino biso oyo zo retenir que ne Tshilombo a prometa ki azo realize te tu le sais za ebele pourquoi la nini deko il faut nous a promis la gratuité d'enseignement yango lelo tous ali komona état de droit tous ali komona makambe bele tout mona ki a prometa ki akokende STT bozala ki wana mi kolonio sokolo ba akokende STT mais ki ko fanda na ST a 8 ans solo na ba ST kimia SO ya la kaki biso tous ali komona lelo moi kimia makilo tous ali komona tongo pokwa makile ko tangali susuti mboka mwana mboka omoni il faut to sunga peuple na biso pour que mboko soto lingi mboko na biso ebonga ba promesse ya Félix Tshisekedi sur Nazokaka pour ne pas être trop loin. S'il avait promis le gens 10 promesses, si les 10 promesses mon côté kokisame n'attends le gars moi promesse hein. Quelle est la promesse? Magamba laka ki batu. Rapidement. C'était le 13 mai 2019 à Lubumbashi que M. Félix Antoine Tshisekedi avait promis l'évaluation trimestriellement des gouverneurs des provinces. Yo mona évaluation na bango. Ezate. Na kena mususu. Le 2 décembre 2019, M. Félix Tshisekedi avait promis aux habitants de Zando de son retour à Kinshasa d'expédier un bac pour assurer la traversée entre Zongo et Bangui. Na RCA, hein? En attendant la matérialisation du projet de construction du pont sur Ubangi. Et Salema n'a continué Moussousou. Le 11 décembre 2019, devant le Parlement, que M. Félix Antoine Tshisekedi avait d'un ton ferme la tenue en 2020 des élections urbaines, municipales et locales. Et Salema, point d'interrogation. Le 21 avril 2021 que M. Tshilombo a annoncé l'arrivée en RDC dans le séminaire qu'il venait de troupes Kenya plutôt pour appuyer les FARDC, n'est-ce pas, afin d'attaquer d'une manière la plus efficace qui soit le problème terroriste et des violences à l'est. Yo mona ba armée
kenyene au so na ninga tanga kote ya suka na bunya rapidement na bunya que monsieur Félix Antoine Tshisekedi avait promis la création d'un fonds de garantie pour la jeunesse, lequel fonds permettrait à tous les jeunes de prendre des crédits afin de créer l'entreprise pour le développement du pays. Yo monango, donc c'est pour dire quoi? C'est pour dire quoi? Parce que tu m'as parlé de promesses. Natangeluka kamukie. N'est-ce pas? Très bien. Mais vous allez voir que tout ça, ça ne se réalise pas. Parce que Ezali est belé. Mais ils ont un cadre calendrier. Ezali est belé. Azan susuna moangonga est belé à coup diriger Mboka. Mon cher, dans deux ans etikali. Parce que une année veut faute. D'ailleurs, quand tu dis que tractation, il y a bah élection et bandit. Na une année pour une année y a pas une année ça année électorale. Donc na une année. Au hasard, incapable, na trois ans, à ça la réalisation, dès na une année, à réaliser ma campo. Non, tout peut s'assangou, malamou, tout s'unga bana mboka. Tout ça, que l'ouba bouilini, l'ouba teke, biso, touini, meseti, lombo. Te. Biso, tu as critiqué, ma campo, oh yo, yé moko, a ko sala. Ma campo, oh yé moko, a ko l'ouba. Ba promesse, oh yo, yé a ko pesa, y'a pas yabatu. Oh yé moko, a ko kisate. Vous comprenez, papa? Très bien. Donc, nous ne sommes pas contre M. Tshilombo comme personne. D'ailleurs, le président légitime Eli, vous avez dit que c'est notre frère. Mais M. Félix Antoine Tshisekedi, c'est notre frère. Mais les actes qu'il est en train de poser dans la gestion, bah, actuana, ils ont co-expiré, plutôt aspiré. Sécurité y a ba congolété, ils ont aspiré bien-être y a ba congolété. Donc etikali kaka ba parole de charme, atika ba tuna espoir. Yango zo mona ke ba opese moi muke, comme on dit que l'espoir fait vivre. Alors M. Félix Tshisekedi a compris que les Congolais ce que promettre ba tabla kasir ba promesse wana. C'est pourquoi pour que a continuer mandat na ye, il faut appeler sa carte à la promesse et pas à la Congolais. Et c'est ces promesses-là que nous sommes en train de vivre. Ici, nous sommes dans l'analyse purement stratégique. L'analyse stratégique veut quoi? Bato batanga, bato science, batanga. Dans cette analyse stratégique, on analyse les acteurs et leurs actions concrètes. Ce que Adolphe Mouzito a voulu vous faire voir, on n'a pas de problème avec l'acteur. N'est-ce pas? Qui peut être M. Tshilombo, qui peut être M. Fayulu, qui peut être Adolphe Mouzito, qui peut être moi, Michel Mangala. N'est-ce pas? On n'a pas de problème avec les acteurs, mais on a des problèmes avec la gestion, avec ce qu'il est en train de faire. Système. C'est ça le système. C'est pourquoi mon ami Adolphe Mouzito a interpellé Batouana Bamessana dans le montage. Bah spécialiste na montage, n'est-ce pas? Pour leur dire que tant que bunda qui a wa, tu banda bundi sa Kabila, tu bundi sa qui système Kabila, mais tu bundi sa qui la personne Kabila. Ezaki déjà mabé. Tu as très bien répondu. Ezaki mabé. Mais aujourd'hui Kabila n'est plus là. Est-ce que son système ne continue pas? Yango moni ndeko Tshilombo pe ayeka na système à Monsieur Tshilombo. Makambo to boya ki lobby. Makambo ya seni. Oto telemelaki na bango na biso. Na mese Félix Tshisekedi na biso. To telemelaki Kabila na 2011. Ya loi électorale oy. Lelo oyo le même pratique mais c'est Kabila est venu mais c'est Félix Antoine Tshisekedi est toujours sur cette chemin. Bon, yebisanga. To bundisa système biso na kati ya lamuka to na ko bundisa ka système to bundisa la personne tu le moteur. Merci tant que le tu le solo ya 5 mutu na yinga ibino na lamuka makanisi na bino ezali boni pambate bozali ko boya po ndeko ka di ma parce que ezali ka saye to po ezali ki mbangiste ndeko biso to ko boya ndeko ka di mandenge nini. Est-ce que biso to yebiye biso to yebiye te omoni siko de bango ya ba individu yango ko tuni mutuna. Kadima n'a jamais été président, il y a qui que ce soit.
jamais président ya CENI. Bon, biso to bundisa nandene. Biso to ali ko bundisa système o ya moyibi o balingi ba botola encore davantage souveraineté ya peuple. Batia maintenant mutu moko wana zela nanu. Tikana silisa. Tikana silisa. O silisi na simotuni motuna. Très bien. Toi ko bundisa système wana ya ko confisquer souveraineté ya peuple. Oh, Kabila confisqua qui na 2018. Bon, na ba législature na union soana. A confisqua qui jusqu'à ce que a qui ne coupe ça, mais c'est Chilom. Vous comprenez? A Kabila et a ko Kabila. C'est ce système là que biso to bunda. Biso to yebi kadi mawana te, to yebi même na ba candidat wana nyoso to yebi bango te. To yekaka ba ko mona bango ba olo biso to ni bundisa bango par rapport en quoi? Biso to bundisa système wana ya moyibi ya ko confisquer souveraineté ya peuple yangoyo biso to senga kina kati ya lamuka eke loi wana ya seni et senga ke ezala discuter d'une manière consensuelle parce que ezali loi moko za ko toucher souveraineté ya peuple, n'est-ce pas? Ezali loi d'intérêt commun. Et ça, les groupes de gens tebouy, ba koutani ba s'arranger, ba discuter entre bango, ba tailler loi sur mesure, ne ba promulguer yango pour que to keni na katia élection wana. Non, c'est ce système là que nous ne voulons pas. Vous comprenez? Parce que vous devez savoir que le parlement ici est un parlement monko illégitime. Messieurs les journalistes, regardez ndenge tozonga ta même na histoire, c'est une histoire récente. Nde makambo sa makina kata cour constitutionnelle. Ba valider ba député, ba invalider ba député, ba revalider ba député, ba réinvalider bango, ba revalider bango avec tel parlement. Vous voulez faire confiance na parlement wana? Monsieur Kabuya. Kabuya, vous avez dit ici. Pourquoi to ke ndenge nini? Pourquoi tozo mona likambo en face mais tolingi te ke to comprendre likambo wana? Kabuya vous avez dit sur les zones il y a top Congo il y a confrère Nabino que la majorité il y a députés bazana kati ya parlement wana ce sont des députés nommés mais vous voulez maintenant quelque chose oyo il y a souveraineté il y a congolais il y a bana mboka il y a intérêt commun to que ne ko crédibiliser parlement oyo ezali illégitime inutile vous voulez ça. Mais nous sommes dans quel pays? Même Bapa Yaba Rosabino sérieux, mon frère ami. Mais, c'est mais une, s'il vous plaît, une s'il vous plaît. À politique s'il vous plaît. Mais vous allez quoi estimer pour que tchanani na kati wana pamba s'il vous plaît. S'il vous plaît, mon cher ami. S'il vous plaît. Ou bien loko moko awa seni ezali institution moko indépendant. Mais na kati ya indépendance ya seni. Comment voulez-vous avoir na katia bureau wana ya seni, n'est-ce pas? Les hommes politiques. Mais dites-nous, où est l'indépendance? Vous avez bien dit. Omoni, biso ba congolais, na compagne ba congolais. Toyebi, bisika ma be, ezali. Toyebi pe ma be yango. Toyebi bisika mabe ezali, toyebi pe mabe na yango. Tozali pe na solution ya mabe wana. Tozali pe na plutôt na solution, place mabe wana ezwa ko uta. Mais biso moko, tolingi ko pe sa solution te na mabe wana. Nous sommes quel type d'homme? Nous voulons une chose et son contraire. Vous comprenez? Très bien. Donc problème ya seni mon frère ami. Tolo bayango plutôt problème oyo ya ko se passer lelo ya basango. Nous sommes clairs là-dessus parce que nos pères plutôt ya basango te ba confession religieuse, faut être précis, n'est-ce pas? Les confessions religieuses nous ont dit que la loi organique faisant fonctionnement et organisation ya CENI, cette loi n'est pas dépolitisée. Bango moko bayebisa ki biso.
Peza constant ya ba congolais banso que loi les a dépolitisé. Mais place biso to okuluba. Mais boni boni bango babi que loi les ali mabe. Boni boni ba ke isus ko sangana pour que ba désigner candidat moko na seni wana. Tu ne vois pas que c'est contradictoire? Le lo oyo osako yoka que y a une division entre bango sur la personne y a Denis Kadima. Non, laissez-moi combo y a Denis Kadima. Bazali divisé sur la personne y a Mutu Oyo, n'est-ce pas? Et c'est lui qui a dirigé Seni. Mais tozongi encore na 2019 avec cette histoire de Ronsard Malonda. C'était pareil. Mais s'il vous plaît, mon cher, s'il vous plaît, laisse-moi d'abord terminer, s'il vous plaît. S'il vous plaît, mon frère. Tozongi Lissoussou, la même histoire il y a 2019 avec Ronsard Malonda. Ce que nous, au sein de la Mouka, on avait évité, sauf à l'hypoposition, nous avons bien dit, pour que la paix ait, totikaba confession religieuse. Chaque confession religieuse a délégué candidat moko na obédience na bango. N'est-ce pas? Oyo bako se retrouver na kati ya seni. Bango nde ba présider bango nyonso. Mais ce que présidence wana, eza présidence collégiale bien sûr, mais présidence c'est que la présidence moko tournante en tour de rôle. Trois mois après, il est qui na oyo. Mais on ne sait pourquoi. Pour raison de transparence. Proposition, on est allé malam, mais voilà. Quand il y a président, on a les camarades anglais à la camoukolo, l'élection comme à la souka. Non. Mon cher, vous savez que la tricherie, on ne triche pas en un seul jour, hein. On planifie la tricherie. Ce que l'Assemblée nationale illégitime vient de faire aujourd'hui, na loi Oyo, tout que la loi organique faisait fonctionnement et organisation à CENI. C'est la planification à tricherie. Planification à tricherie, c'est à niveau nini. Et c'est d'abord à niveau à présidence. Voilà. Un individu, il est à présider. C'est déjà en amont. Parce que Moutouana, à cause de la susceptible, donc à cause de la transparent comme ça, va corrompre. Il va commencer à recevoir les injonctions. Pour qu'il y ait la kisayo et que les Congolais ne comprennent pas. Tant que la confession religieuse, ba sangani pour que ba sala makambu na bango ao. Hein? Ba ke ne go lire président ce qui a séni wana. Yo ki ba menace te. Yo ki ba menacer bango te. Hein? Mais maintenant, un seul individu a une injonction, a une orientation, a parti politique. Donc, c'est pour dire que tant que vous avez une élection, c'est 2023, ceux qui vous ont toujours corrompu, c'est-à-dire, élection en 2023 et Kozala la mouka Kozana kat élection wana mais bisoto lingi la dépolitisation ya seni wana il faut la dépolitiser wana za toute question à débattre esa question te keno et to mi transjugé wana nous savons motivation na bango ils sont en train de faire ça pour bango bakanisi ke biso la mouka to loba ke to kende ba élection na te ba au cause to cause na kat élection wana. Mais si en 2023 il y a pas les élections, mais c'est Félix Tshisekedi dehors. Voilà, mais c'est Félix Tshisekedi, on va dégager mais c'est Félix Tshisekedi kanga makamana zo biso obu na obiso lilu. Merci beaucoup ndeko Michel Mangala. Et on va aller aux élections, on va faire des réformes ya seni wana, réforme wana eko salima. Il ne croit pas que ndenge bao sala bonde bao possédé bongo. Ils ont remporté
te ba okosa ba kuta na pep. Merci beaucoup. Comme monsieur Félix Antoine Tshisekedi ndeko na ota la caméra na yo. Comme monsieur Félix Antoine Tshisekedi cherche à devenir sanguinaire, il n'a qu'à s'assimer. Non, on a des intentions là été. S'il vous plaît, Ndeko. Loba. Moi, je vous dis que c'est ça, intention na bango. Parce que ce qui est intention na bango, n'est-ce pas? Qu'est-ce qui est de grave pour mettre toutes les parties ensemble, qu'on puisse discuter et qu'on puisse trouver un consensus en rapport avec la loi électorale, et plutôt la loi faisant organisation et fonctionnement, il y a CENI. Qu'est-ce qui manque? Qu'est-ce qui est difficile? Pourquoi ils ont peur? Ils savent qu'ils n'ont rien foutu. Le peuple congolais sont en colère contre eux. Et si nous allons que tout cela makamundenge peuple congolais zolinga, dépolitiser CENI wana. Tout ça, la vraie réforme, il y a Seniwana. Ils vont être bâtis. Nebazaki bâti en 2018. En 2018, Bazouaki 15%. Mais cette fois-ci, Bazouaki 5%. Discours à Mokonzambo, Kabibo, tout le temps, le monde est malam. Tout le temps, le monde est malam. Il y a élection en 2023. Ah, papa. Papa, on est maloba, on est loba. Vous savez. On ne peut pas se lever pour dire comme ça. Mais ce sont ta gestion qui va s'exprimer. Hein? Yope, ndengo zawana. Oko o lobalelo ke yo, oza premier ministre. O teme pe na miso, c'est moi le premier ministre. Oko lobat, est-ce que oza premier ministre? Non, tout ça la confusion t'indique. Voilà, Ndeko Michel, si j'ai belé, na succès na tokeno na point moko za l'équipe na yobotsana, to moni na cathédrale awa mukolo ya matanga ya papa na biso ututika biso mosengo, mokonja mboka président de la République akokota kasi mwana mboka Martin Fayulu akoboya kotelema. Wana ezali importance politique tende baloba ngo po mukolo msusu ya kokoma mokonji. Soki moto msusu aboyi kotelemela ye, ekozala pete ke moi problème sur bino. Entre Félix Antoine Tshisekedi, monsieur Félix Antoine Tshisekedi, et le président légitimement élu Martin Fayulu, qui devait se mettre debout, de que tout à la correct dans la vie, mon cher ami. Entre monsieur Félix Antoine Tshisekedi et le président Martin Fayulu, nani oya kokaki kotelema. Ce n'est pas M. Félix. S'il vous plaît, c'est M. Félix qui devait se mettre debout. Parce que. En tant que président de la République, celui que le peuple congolais avait élu. Tout beau, ça n'a atteint. Tout falsifié qu'à l'histoire. Félix Tshisekedi n'était pas élu en 2018. Celui qui était élu, c'est Martin Fayulu Madidi. M. Félix Tshisekedi est là par la volonté de M. Kabila. Vous comprenez, mon frère? Écoutez, n'a développé. Continuez l'idée rapidement. Pour tout le temps, laissez, on a développé en avance. Voilà. Tous ceux qui ont démouqué, tous les gens qui ont cité dans les Cambodges, les Bokangama, les Chagindas, les Tanko, les Bakiang, les Kolo, les Kolo, les Azali, les Moko, les Azomi, les Azosa, les Litina, les Ndengena. Je ne sais pas si les Bango, les Azali, les Bézi, mais tant que nous avons acquis UDPS, UDPS, c'est ça l'inin, les Makamba, les Chagindas, les Chagindas, les Azali, interpellé dans la justice, les Azali, les Azali, les Gérer, les Nayo. Babengi, ça qui est, par rapport à un message, les Apes, ça qui est, les Azali, qui est, tant que les Azali, les messages, les Azali, les Azali, déranger, comment acteurs politiques locaux là yen Jacinda la ko ko tenir ba propos ndengwana devant batunion surtout le bosse étandomoké. D'abord, quel propos, de quelle nature? S'il vous plaît, laissez-moi, tu as posé la question, je réponds. De quelle nature, le caractère infractionnel, tout ça? Je te dis que l'arrestation, il y a Jacinda, les arrestations purement politiques. Il faut faire taire les bouches qui éveille les gens. Il faut kangami nokoana.
Parce que Jacques Ndala, c'est un leader. Quand il parle, notre peuple nous entend. Quand on parle, notre peuple écoute. Je refusais pas. Mais je vous ai démontré ici, par rapport aux propos tenus par Kabuya, naba propos Oyo, Jacques Ndala à tenir. Bah propos ni ne pousse et tinda batuna violence. Tout ça la correct. Jacques Ndala parce qu'il défendait son leader. Il défendait son camp. C'est pourquoi il faut quoi? Il faut lui faire taire. Visiter. Il les faut. Acteurs politiques. Écoutez. Allez visiter. Les mots visiter. Quelle interprétation vous voulez donner? Devant le Namon. Militant. Vous savez, écoutez, dites-moi le caractère infractionnel du mot visité. Mais moi, si je suis 26, je viens de vous rendre visite. Ça, c'est une infraction, ça devient une infraction. Parce que moi, je t'ai dit que n'ayez pas rendre visite, ça devient une infraction. Et quelqu'un qui dit ce qui bayo qui bisoté, tokoye bisaba militant, ba combattant, ya IDPS. Basimba Mindouki. Dites-moi, avec quelqu'un qui dit, on va aller visiter Ndekonabiso Topesaye Mokanda. Topesaye lettre. Bon, la lettre aussi, ils ont un caractère infractionnel. Mais non, soyons sérieux. Ndekotulingini Nakatambokoy. Toti Kande sentiment. Et surtout, vous, le journaliste. Il faut pas sunga peuple Nabiso. À des fois, binonde. Beaucoup me m'appelle peuple on a katali bunga. Au lieu de dire des choses telles que les choses se présentent, mais bino bozali n'a pas peuple. Vous voulez masquer les choses. Je ne pense pas que les journalistes accusés de Kojakinda là. Non, je ne pas. S'il vous plaît. Mais regardez maintenant quand tu me dis que Jacques Ndala avait dit que on va aller visiter Mouto Aloba qui allait nous visiter. Allez, comme maintenant. Caractère inflationnel. Mais on peut faire un mémo. Le col a bissé la carte à la moka. Lobby tokenagi na Semco. Tokenago visiter Semco. Tope si bango mémo na bissé kuna. Yo monaki ba bomaki mutukuna. Yo monaki ba beta ki mutukuna. Yo monaki ba bamba ki policier ma banga kuna. Mais par contre, c'est la police qui a arrêté quelques militants ya la moka. Naré, ba tel mi po ba zwa mutuka. Tel ma ba yebi bango, ba yeba tche mutuka li boso na bango, ba tokri bango, ba boaki wa langat. Na miso nga na ako mona. Tindenge ba tel maki? Wana la police. Mais la police! La police est allée en boka. Non, je ne parle pas de l'IDPS. Okay. Est-ce que tu m'as voulu na kata promenade nga na loba maga ma IDPS, ma kamona zo ma malama, ya visite, ya, otu ena go visite Semco? Je n'ai pas parlé de l'IDPS ici. Ce caractère, il y a déviation, il y a moussala au batouba au sala. Tu vois? Donc, la justice, tu m'as parlé de l'état des droits. Est-ce que l'arrestation Ndala, on peut parler que c'est l'état des droits? Non, ça, ce n'est pas l'état des droits, mon frère ami. Tout ça, c'est l'état des droits. Jacques Ndala, c'est un prisonnier politique de M. Tshilombo. Ah bon? Mais bien sûr! C'est un prisonnier politique de M. Tshilombo. Regardez le caractère de l'arrestation. Ça, c'était une. C'était l'enlèvement. Il y a un enlèvement.
Dites-moi, qu'est-ce que nous pouvons dire? Merci beaucoup, Ndeko Michel. Tu comme une vision à Souka. Des dernières questions rapidement. En tout cas, ça l'a bref, moi, rapprochement, moi, qu'est-ce que ça m'a entre la Moukana FCC, Pambate, lobby, tout le monde qui figure, moko ya mneni. Il y a FCC, tant que vous allez que ça, la moi, le mouvement Nabino, il y a le président Nojek qui est présent, le message qui est déjà ébélé. Comment la présidence, ils allaient peut confirmer moi mon que rencontre, il y a moi n'emboka Kabila na de Kofayu luna Mozito, ils allaient mon tour na retourni et en plus pour na succès, les Cambodia $500 pour na dot, yo en tant que leader politique, moi ma canicine rapidement. Ndeko, toi tu as reçu un raccordement frauduleux. Ndeko, Nabiso ya Nojek, mon frère Mutamba, asa citoyen congolais. N'est-ce pas? Oyo ye a moni que loi wana ya seni il y a pas la dépolitisation, il y a la confiscation, il y a souveraineté ya peuple, il est libre. Kobosa na te le président Eli a benga ki ba congolais pe ba congolais banso pour que tout ça là agenda citoyenne. Donc, d'abord, Isaac Vito, Lucha. Hein? C'est Lucha qui a fait l'agenda citoyenne. Et Bishop Lamouka, tu as adhéré à cette agenda citoyenne. Wana. N'est-ce pas? Comme P. Comment s'appelle mon frère ami, n'a salué Place Azali, Mutamba. Il a vu que Bazo Botoulaye souveraineté, il est venu comme tout Congolais. N'est-ce pas? Et l'ingi que ça, le raccordement frauduleux était parce que vous avez suivi le président légitimement, Elie Martin Fayulu m'a dit c'est les zones, il y a Top Congo, ma confrère Nabino, Kessan Le Sakweno. Il a bien dit qu'il n'a jamais serré la main de M. Kabila, il n'a jamais rencontré de sa vie M. Kabila. Vous comprenez? Cette histoire-là, tant que nous avons dit que ils avaient un montage à Taliban, un montage. Parce que ce sont des spécialistes en montage na Lukuta, parce que tu y as mis quelque chose. Tu y as mis quelque chose. Vous comprenez? Ce sont des spécialistes en mensonge. Ils ont voulu monter cette histoire pour casser la prise de conscience. Oh, bah, tu vas voir que tu as conscience. Na moui, bien ma pounami, déjà, oh, bah, tu as salé. Parce que, kobo sanate, y a ba sitting et bandaki. Na niveau ambassade, na palais du peuple, par-ci, par-là. Alors, yo mona ki ke conscience wana et bangi si bango de ba créer cette histoire. Voilà, rapidement, $500 pour na dot, c'est le solo ya moi na mboka ou babomaki ni kini pour na cash ne yo en tant que congolais rapidement. C'est pour te dire encore une fois de plus qu'il n'y a pas l'état de droit dans notre pays. Parce que s'il y a vers l'état des droits, on devait respecter les Congolais. Policiers et singuliers qui sont amis, il y a peuple. Mais les lois dans le Congo, policiers sont comme les ennemis, il y a peuple. Vous comprenez? Pourquoi? Parce que, un, les policiers sont bien rémunérés. Les conditions de vie sont et à Malamouté. Mais bon, je suis sous mon douki, pour pessier. Mais bon, tu n'es pas là. Moi, à des fois, moi, je ne condamne pas un simple policier. Moi, je condamne leur chef. Parce que dans la carte de la ville, tu as un policier qui est là. Je ne peux pas dire que tu tandis que les policiers sont là, ils foutent à Malamouté. La condition de vie n'aie za malamouté qu'il n'y a pas de place au bango balalaka iza malamouté. Voilà, donc il y a $500, c'est nous condamnons avec la dernière énergie l'acte posé et nous présentons des condoléances au nom du président légitimement Eli Martin Fayulu Madidi et le coordonnateur ya Lamouka Adolphe Mozito de présenter ma condoléances na famille. Voilà, $500 pour la dot yo en tant que parent Congolais, ma canisse Daniel Mbaou, ou Yambiango. Ndeko Bisso, Nakatia Lamouka, Tozali partant, Namakambou Nyos ya Malamu, ou Isotala bien-être ya ba Congolais. Pour que Congolais a vivre na Kimia,
ba mouvement na ye ezala na kimia. Nous sommes partants na ba idée ba initiative nyoso o yeza ya malamu ya kitoko pour que e rendre vie à ba congolais malamu. Très bien. Mais là où nous sommes en train de dire que loi wana et toucher nango c'est la forme, ça nango forme. Mais toucher fond. Très bien. Parce que fond est anime. Fond est à condition de vie. Il y a des Congolais. Attends, les lois ont eu $500, Ango. N'est-ce pas? À quel Bali, moi aussi. Moi, si on a vivre en Dengenin, à Kolianini, à Olata, en Dengenini, Bana Bako Bota, Bako Tanga, en Dengenini, maternité, Bako Futa, en Dengenini. N'est-ce pas? Ça, c'est la forme. Mais si aujourd'hui, et que les conditions des Congolais sont meilleures, ils sont très bien rémunérés, ba ofuta bango kitoko, ba na ba conditions ya malamu, ba na salaire ya malamu. Je pense à ta ba tie d'autre yango $3,000 à ofuta. Parce que alingi mwasi na ye. A sepela mwasi na ye. So amoni na katali benga na ye ke no a nga ba futa nga 5000 ba tienga 3000 a na ozona nga 3000 na sali yango 2000 wana ko sala ke ti ba ya ko futa nga le susu to vivre na mwasi na nga makampe ya volier malamu. Donc, c'est ce que nous sommes en train de condamner. Donc, on fait amener les gens pour voiler les gens Bamakambu et qu'on ne veut pas cibler le vrai problème ou écouper sa solution dans le problème définitif des Congolais. Mais il y a des gens qui sont les à côté pour distraire les Congolais pour ne pas les faire travailler. Mais les fonds, on ne touche pas. Merci beaucoup Manamboka Michel Mangala, communicateur et à plateforme Lamuka où ils allaient diriger na Batumi Bali Amine Namboka Nabiso. Il s'agit de M. Fayulu, président Eli Ponabango. Ponabango te Ponaba Congolais. Ponabino, voilà. Tokomi Nabiso Nasuka, vous s'abonner massivement à notre chaîne, ma mission télévision. Merci à Madame Bibi Kapinga, merci à l'équipe technique et à ma mission télévision. Tomona Nimbala Sima, tomo bye. Ayez, du nouveau à Kinshasa, le complexe hôtelier Temple Royal sous Kanamasulo. Vous qui désirez passer des nuits inoubliables, l'hôtel Temple Royal vous offre un service de haute qualité, de chambres modernes répondant aux standings internationaux, salons et salles de bain bien équipées. Votre sécurité est assurée, les portes électroniques et même un coffre-fort dans la chambre. Temple Royal dispose d'un restaurant VIP, des plats de différents goûts à un prix hors concurrent, de boissons de toutes marques accompagnées d'une musique douce. Ce n'est pas tout. Pour vos déplacements, Temple Royal met à votre disposition une voiture pour tous vos déplacements et un groupe électrogène industriel pour faire face à la coupure d'électricité. Pour vos cérémonies de mariage, de collations, spectacles et autres événements, Temple Royal met à votre disposition une salle de fête de 300 places avec un décor de couleurs selon votre choix. Nous sommes situés au numéro 23 de l'avenue Aérodrome dans la commune de Barumbu. Référence, stade municipal de Barumbu. Pour tout contact, appelez-nous au 081 570 78 00 09 98 55 22 96 et Salemananouté, le complexe hôtelier Temple Royal, le confort et les nôtres sous Kanamasulo chez Temple Royal Kano Kakae. Ma Mission TV, le miroir du monde.